2018 sourit au NRMV. Les joueurs de Fulvio Bertini ont enregistré jeudi soir leur 5e victoire en 7 matchs. Le premier set, très accroché, 29 à 27, a été déterminant pour la suite de la rencontre. Le premier set, on revient très bien à la fin. Avec Théo en service, c'est très important. Après, je crois, dans la tête, l'autre côté casse un peu. Et pour nous, c'est juste important. Le deuxième set est expédié par les Nantais en 21 minutes, 25 à 12. La troisième manche, en revanche, est plus accrochée. Mais c'est une nouvelle fois le NRMV qui montre le plus de caractère. Je pense que dans les moments chauds, on est plutôt bon. Je pense qu'on a une équipe de joueurs qui ont du mental dans ces moments-là. Donc ça, c'est bien. Et puis là, on a été très bon en service bloc. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de pression au service. Et je pense que la différence là-dessus, le volet de haut niveau, c'est service récep. Et là, ce soir, on a fait le boulot, quoi. Cette victoire face aux Tourquenois met les joueurs de Fulvio Bertini en bonne position pour les playoffs. Mais le technicien nantais préfère se concentrer sur le prochain match face à Rennes. Et on ne pense pas les classements, les points. On sait bien qu'il faut, prendre des points ici et à l'extérieur. Et bon, ça sera difficile, très difficile, parce que Rennes, une équipe forte, qui a pris des nouveaux joueurs assez forts. Donc, il faut récupérer physiquement. Ça, c'est la chose plus importante. Et après, on va voir. Le NRM a rendez-vous le 2 mars à Rennes pour ce derby. Il s'agira de la 20e journée de championnat.